min ti ala wo taala ye a sini bato man kan fɛn kelen min be ni a ka kan ka bato o le ala wo taala kelen ye o le kosɔn ala yɛrɛ tɔgɔ o be weleli kɛ ka taa ala yɛrɛ kelen bato ma kamasa ala tɔgɔ le ye allahu allahu kɔrɔ le ka fɔ masa min ni a kelen ka kan ka bato ni fɛn wɛrɛ man kan ka bato ka fara kan o b'a yirana ka fɔ ni mɔgɔ min ka allahu yɛrɛ lɔ o tigilamɔgɔ a be bato bɛ ɲase alahu taala ma an kumala o kan kunu an lɔla yɔrɔ min na an kɛni kɔ k'a lɔn ka fɔ bato bɛɛ kan ka kɛ ala kelen le ye fɛn wɛrɛ man kan ka bato ka fara ala kan a be fɔ fɛn juman yɛrɛ ma ko bato a be fɔ mun le ma ko bato kama sɔrɔ n'an m'o fana lɔn tuma dɔ la an n'u yɛrɛ be filankafoya kɛlɛla ka taa sɔrɔ an yɛrɛ be filankafoya kɛla a lɔnbaliya kosɔn o sababuya kosɔn n'a di ala la wo ta ala ye bi daraso bena bori fɛn min kan wo le ye mun le ye bato ye na Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Chers frères d'Islam, comme notre groupe vient d'expliquer hier, le thème de la mosquée Sunna, c'était quel est la vraie sens de la ilaha illallah. Un mot que nous prononçons tous, mais beaucoup parmi nous ne connaissent pas sa signification ou sa vraie signification. Il a expliqué que la ilaha illallah ne veut pas dire que il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Ou bien il n'y a pas d'autre divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une manière, c'est pas une bonne manière de comprendre la ilaha illallah. Okay, la ilaha illallah veut dire il n'y a pas une divinité qui vraiment qui mérite d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien il n'y a pas une divinité qui mérite l'adoration sincèrement à part Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la signification. Si nous avons compris que nous ne devons pas adorer une autre divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala, mais si nous ne connaissons pas la signification de l'adoration, souvent nous adorons quelque chose d'autre à part Allah, mais si on nous demande, on dit que non, 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 on n'a pas adoré à part quelque chose à part Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne connaît pas ce qu'est l'adoration. Donc il faut comprendre c'est quoi l'adoration, comme ça tu ne vas pas les référer ou les faire pour quelque chose qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. A bien pour faire ma propre bateau, ou les fins fins, ni à quel cadi Allah ta'ala est. Koko be, na quel cadi Allah ta'ala est. Ni Allah ta'ala ka an lo o keli la, ou fait kelen kelen be keli Allah kosan ou les bateaux. A bo jo la fana fin fin na toli ka di ala wata ala ye ko koto wato ye ala kosan o le bato ye bato be tila ni yɔrɔ la ka taa tila yɔrɔ fila kɛli ani toli ala wata la be bato ni ko dɔ kɛli ye ala wata la be bato ni fɛn dɔ toli ye ala be bato ni ko min kɛli ye ni ko kɛ fɛn wɛrɛ ye min ti ala ye i ka dɔ fara ala kan ala bɛ bato ni fɛn mun toli ye n'i k'o to yen fɛn wɛrɛ kama min tɛ ala ye bonya kama o fɛn tɔgɔ ye i ka dɔ fara ala wa taala kan o fɛn olu o bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma ko bato o bato nin a suguya ka ca ciden ka yira sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sittuna shu'ba a ko limaniya baaraw ani baara mun bɛ kɛ k'i yɛrɛ kodi ala wa taala ye k'a bɛ taa bi wɔɔrɔ ani kɔ nin kumakan nin k'a fɔ bi wɔɔrɔ ani kɔ o nana bukhari ka sahihu kɔnɔ nka alimam muslim rahimahullah ale k'a lakale abu hurairata ka haditha la al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a ko limaniya baara a bɛ taa bi wɔɔrɔ fila ani kɔ o kelen kelen bɛɛ tun kɛli ala kosɔn a bɛ fɔ o de ma ko bato o tuma ni mɔgɔ min ka kelen kɛ olu la nin bi wolonfila nin kɔ nin n'i ka kelen dɔrɔn kɛ o la fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye a bɛ fɔ k'i ka filankafoya kɛ i ka dɔ fara ala ta ala kan n'a fɔra ko ka filankafoya kɛ
o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i ka bato suguya bɛɛ kɛ fɛn wɛrɛ min tɛ ala ye la o kɔrɔ tɛ yen kɔrɔ ye min ye fɛn fɛn ka kan ka kɛ ala ta ala ye ele ka bɛɛ kɛ ala ye fo kelen i ka bɛɛ kɛ ala ta ala ye fo kelen o kelen min tola nin i k'o kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ta ala ye ele ani mɔgɔ min ka bɛɛ kɛ fɛn wɛrɛ min tɛ ala ye a bɛɛ ye kelen ala fɛ a bɛɛ ye fila ka fɔ o sababuya kɔsɔn ni m'i janto i yɛrɛ la i seginnin bɛ don misiri kɔnɔ mɛ i ye fila ka fɔ ye ala fɛ ka taa sɔrɔ i bɛ misiri kɔnɔ i bɛ seli min kɛla i b'a kɛla ala kɔsɔn i bɛ so min don la i b'a kɛla ala kɔsɔn i bɛ heji kɛla ala kɔsɔn mɛ peut-être bato suguya wɛrɛ bɛ yen min ni seli tɛ kelen ye min ni so tɛ kelen ye ele b'o kɛla fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye hali n'a sɔrɔ kɛla kelen de ye ele bɛ jate fila ka fɔ ye ala ta ala fɛ kamasɔrɔ fila ka fɔ ya tilayɔrɔ t'a la ka fɔ ko ne ka filankafoya dɔ kan a ye fɔ min ma ko asherikun akibaru filankafoya kumaba ko ne ka kelen kɛ i bɛ jankata dɔɔni ka taa arijinɛ kɔnɔ la filankafoya min bɛ mɔgɔ kɛ kafiri ye filankafoya kumaba n'i k'o kelen kɛ ani mɔgɔ min ka siyaman kɛ a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ jahanama kɔnɔ o tuma mun de ye bato ye fɛn min n'a kan ka ɲɛsin ala wo ta ala ma fɛn fɛn n'a kan ka ɲɛsin ala ma n'i de k'o fɛn dɔ ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma min tɛ ala ye i ka filankafoya kɛ walima fɛn min ka kan k'a to yen ala bonya kosɔn e de k'o to yen fɛn wɛrɛ bonya kosɔn min tɛ ala ye i ka filankafoya kɛ. alhamdulilayi l'adoration d'allah subhanahu wa ta'ala veut dire faire ce que allah subhanahu wa ta'ala aime pour faire de la bonne adoration comme acte faire ça et s'interdire de faire ce que allah nous a interdit de laisser. À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce que Allah nous a demandé de faire, ils font partie de l'iman, que les hadiths, un hadith qui est avec l'iman, il y a 60 et quelques, et partagé au moins à 60 ou quelques parties, d'autres hadiths qui disent jusqu'à 60 et quelques parties, tous ces actes-là, qui des fois sont des actes d'adoration. Donc, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait une seule adoration, qu'on doit faire à cause de Allah subhanahu wa ta'ala pour quelqu'un d'autre qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui laisse ce que Allah nous a décidé de laisser, mais qui a laissé ça pour quelqu'un d'autre, pas Allah subhanahu wa ta'ala, pour respect pour lui, c'est comme si tu lui es associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'association avec Allah subhanahu wa ta'ala ne se partage pas en plusieurs parties. Ça veut dire, quand on dit que celui-là est associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait comme adoration, il a fait ça pour quelqu'un d'autre. Non. Même s'il y a 100 adorations, il fait 99 pour Allah et il fait un seulement pour quelqu'un d'autre par Allah, tu es devenu associateur, tu es devenu mushrik. Et toi qui as fait 99 pour Allah et un pour une autre chose, et celui qui a fait tout pour une autre personne, vous êtes pareil, vous allez rester éternellement dans l'enfer, car l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une association qui est faible, qui fait que non, quand tu as fait ça, tu vas être châtié, après on va te faire sortir de l'enfer pour atteindre le paradis, comme on dit dans les grands péchés. Non, non, non. L'association, c'est un grand péché. Quand tu fais un, tout ce que tu as fait, tous les autres que tu as fait comme adoration est déjà gaspillé à cause de ça, inshallah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons faire très attention. Au bâtonnet, a bɛ tila ka taa tilayɔrɔ saba ka bɛn bato kɛyɔrɔ ma adamaden farikolo la a bɛ fɔ fɛn min ma ko bato n ko i ma ko fɛn fɛn n'a kɛra ka di ala ye o bɛɛ ye bato o bato nin a bɛ tila ka taa tilayɔrɔ saba ka bɛn a kɛyɔrɔ ma adamaden farikolo la bato dɔw bɛ yen o bɛ kɛ dusukun dama de la o bato mun bɛ kɛ dusukun na nin ye n'i le k'o dɔ ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma min tɛ ala o ta ala ye i ka dɔ fara ala kan n'a fɔla ko filankafoya a bɛ mɔgɔ siyaman ɲina ko ka yiri mɔgɔnin bato k'o dama don ale kɔni fɛ n'a ɲande fɛn dɔ la a ɲɛfɛ a bɛ min bato la ale fɛ a tɛ filankafoye ka taa sɔrɔ i sigini bɛ to misiri kɔnɔ k'i to filankafoya la ala t'a la fɛ kamasɔrɔ bato dɔw bɛ yen o bɛ kɛ dusukun na o bato mun bɛ kɛ dusukun na o ye n'i ka kelen ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma o la min tɛ ala ye i ka filankafoya kɛ a yɔrɔ filanan o ye nɛnkun ye bato dɔw bɛ yen o bɛ kɛ nɛnkun na
ni ka dɔ ɲɛsin ala ma ni ka dɔ ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma o la min tɛ ala ye i ka dɔ fara ala kan bato dɔw bɛ yen o bɛ kɛ farikolo la ni ka dɔ ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma o la min tɛ ala ye i ka dɔ fara ala ta kan o tɛ n'an ma ɲininka la ko filankafoya bɛ adamaden sɔrɔ yɔrɔ joli la a fɔ yɔrɔ saba a fɔlɔfɔlɔ dusukun n bɛna o ɛgizanpulu dɔw d'i ma n'ala sɔnna a filanan nɛnkun n bɛna o misali dɔ fana d'i ma n'ala sɔnna a sabanan farikolo o tun b'a fɛ jɔn de tɛ filankafo ye mɔgɔ min ka nin yɔrɔ saba bɛɛ la saniya ala o dala kelen ye ka bɔ fɛn kɛli ma nin yɔrɔ saba dɔ la fɛn min ka kan ka kɛ ala ye a ma sɔn ka kɛ foyi ye fo ala o dala kelen o tigi le kisi la ka bɔ filankafoya ma. L'adoration que nous venons de dire, l'adoration se partage en trois parties par rapport aux membres qui commettent cette adoration-là, qui font cette adoration-là. Il y a des adorations qui sont spéciales pour l'âme, l'âme des êtres humains. Donc, ça veut dire dans les pensées. Si c'est cette pensée-là qui fait ça pour quelqu'un de part Allah subhanahu wa ta'ala, tu deviens un mécréant, même si tu ne mets pas les actes avec tes membres. Il y a des associations aussi qui concernent la langue. En prononçant certaines choses, automatiquement, tu deviens associataire, automatiquement. Il y a des associations aussi qui concernent les membres, les pieds et les mains, et tu dois faire les actes. Si tu fais ça à cause de quelque chose de part Allah subhanahu wa ta'ala, tu deviens mécréant, tu deviens mouchrique. Donc ne pense pas qu'un mouchrique, c'est seulement celui qui a une statue chez lui à la maison, il lui verse des sangs et il attend de l'adorer. Non, non, non. Beaucoup de choses, chez Allah subhanahu wa ta'ala, que nous faisons, certaines choses sont spéciales, comme nous avons dit, si tu fais ta part, pour que tu te prépares à Allah, tu es devenu carrément mécréant. Et nous allons donner des exemples, inshallah. Donc, le vrai croyant, c'est celui qui a fait toute adoration qui concerne son âme, vous savez, au fond de lui-même, et ça, il concerne sa langue, et ça, il concerne ses membres. Il a fait tout ça à cause d'Allah, ou pour Allah du ciel, inshallah. C'est celui-là qui est éloigné de l'association. De ce qu'on a mis à l'heure, alahu taala ka adamaden dan wa khuliqa al-insanu da'ifa adamaden danna ka taa sɔrɔ a lanfotiyani lo a tɛ se ka ko ɲɛ a yɛrɛ ma adamaden yɛrɛ b'o lɔn a dusukun na a dɛsɛni lo a lanfotiyani lo o lanfotiyani o b'a ɲini adamaden fɛ k'a fɔ k'a y'a jigi sɛbɛ fɛn dɔ kan parce que duniya fani bɛ danger de la fɛn bɛ mɔgɔ halaki o le ka ca fɛn bɛ ta tiɲɛ o le ka ca. Hali i bɛ dumuni min kɛla a bɛ se k'i kɛlɛ i bɛ donna mobili min kɔnɔ a bɛ se k'i kɛlɛ kuran bɛ bonna a bɛ se k'i kɛlɛ ba bɛ kɛla tasuma min na a bɛ se k'i kɛlɛ nin bɛɛ bɛ kɛla sababu ye ka mɔgɔw halaki danger ka ca o senfɛ fo i yɛrɛ karifa fɛn dɔ de la k'i jigi sɛmɛ fɛn dɔ kan k'a fɔ a ye k'i kɔnɔ k'a fɔ madama nin bɛ ne kɔfɛ gbɛlɛya tɛ ne sɔrɔ ni gbɛlɛya fana kan sɔrɔ madama nin bɛ n kɔfɛ gbɛlɛya bɛ wuli ka bɔ yen. Adamaden yɛrɛ tɔbiya la a jigi bɛ fɛn dɔ kan kamasɔrɔ k'a lɔn k'a fɔ ale yɛrɛ lanfotiyani la dɛsɛni don o jigi sɛbɛ min bɛ o ye o bɛ jate bato suguya dɔ de ye n'i le k'i jigi sɛbɛ fɛn wɛrɛ kan min tɛ ala o tɛ ala ye i le ni mɔgɔ min ka yiri mɔgɔ ni lɛsɛ n'a bɛ sojuru bɛn n'a ye a bɛɛ ye kila ala o tɛ ala fɛ kamasɔrɔ jigi sɛbɛ ni bato don mun le b'a yira ko bato don dalilu b'a la dalilu bɛ yen min b'a yira k'a fɔ ko a ka kan ka ɲɛsin ala le ma. Allah ta'ala ko wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin a ko n'a y'a sɔrɔ a ye mɔminu ye a kana i jigi sɛbɛ foyi kan fɔ allahu ta'ala kelen a ko ya wa ala allahi fatawakkalu lalubaw b'a fɔ yina ala allahi jaru majrur muta'alliqun bi tawakkalu ka taa sɔrɔ arabukan na cogo la almuta'alliq yata'akhkhar almuta'alliq bihi o le asru ye nka ni ka muta'alliqu nani ɲɛfɛ ka muta'alliqu nani ɲɛfɛ ka muta'alliqu bihi to kɔfɛ li ifadatil hasr o b'o qaida le d'i ma taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasr fɛn min ka kan ka to ɲɛfɛ fɛn min ka kan ka to kɔfɛ ni k'o nani ɲɛfɛ o b'a yira k'a fɔ ko kɛɲɛ gwɛrɛ ta la n'o tɛ o le kosɔn a ko kuranɛ kɔnɔ iyaka na'budu a ma fɔ na'budu ka n'a tun ko na'budu ka o kɔrɔ ye k'a fɔ an bɛ ire ala bato mɛ fɛn wɛrɛ bɛ se ka bato dɔw bolo ka fara kan
mais les cas font une ma volonté ici à la langue n'est fait il y a qu'à n'aboudou les fards de la hasser on veut y a qu'à n'aboudou au courant de la voie pour amener il est à la bataille à côté à quoi les avant et fin bref bateau filet à la et fard de la hasser à quoi mingue wa alallahi fatawa kalu au courant de la voie aïe d'y se malaka au courant de la voie aïe canaille d'y se me fouille qu'en voie à la les fards de la hasser il a pas quoi y'en ma وعلى الله فليتوكل المؤمنون مؤمنو كونو جيغي سبا فوي كان فالو تا لاكلي ودو ان كان لو اولا كفو جيغي سما جابا تو دولو ودو ان لي كلا كي جيغي سبا مي فين دو كان مينتي الله تعالى الي كا دو فرا الله تعالى لي كا اوي مي ما توبي كا بو او كان ني سالا او كان الي اني مو مي يري مو ني باتولا ابيبي كان جما كلي كي ما كان كا نعم. Nous avons dit qu'il y a des adorations qui concernent l'âme ou les pensées des êtres humains. Parmi ces associations-là, il y a quoi? Nous, par exemple, dans nos vies, il y a toujours des dangers. Les dangers qui nous entourent partout, dans nos maisons, dans les travail, même les courants pour les animaux, même les accidents, tout. Il y a des dangers partout. Mais pour se protéger de ces dangers-là, tu dois avoir quelque chose que tu dois se confier à cette chose-là. Que tu vas avoir confiance en lui, c'est que tant que lui est en train de me suivre, tant que lui est en train de s'occuper de moi, je n'aurai pas ce problème-là. Ou bien, même après avoir ce problème-là, si on te confie à lui, lui va résoudre tous les problèmes et va me guérir et va me donner la solution. L'être humain, partout, a besoin de cette pensée-là. Cette pensée-là, si on le fait, ou bien on se soumet et on se donne. Bon, fais confiance à quelqu'un d'autre, à part Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là, on lui a adoré. Parce que ça, c'est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce qu'il n'y a pas des preuves pour ça? Oui, il y a des preuves. Parce que Allah nous dit le Coran, wa Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. C'est à Allah seul, vous devez vous confier à Allah lui seul. C'est cette manière de dire ce verset-là. Allah pouvait dire, confiez-vous à Allah. Non, c'est pas comme ça qu'il a mené. Il avait une manière qui montre que confiez-vous à Allah seul, ne vous confiez qu'à Allah lui seul. Donc ça veut dire que si quelqu'un d'autre se confie à quelqu'un d'autre par Allah, il a pris une attribut de Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné cette chose-là, il a associé cette chose-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire attention. Donc il y a des gens qui font ça, mais ils pensent qu'ils n'ont rien fait. Alors c'est une attribut d'Allah qui t'a pris, parce que tu t'es confié. Il pense que cette personne-là, ou bien cette chose-là, que ce soit une personne, que ce soit une chose, peut te sauver, peut te donner la chance, peut te guérir, peut te faire ça, faire ça. Donc, tu veux associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Votre manille est miriaque là, Kavoko Wali, donc Kaburubi. Madame, il y a un Kaburuni, il y a un coffre. Madame, il y a un mec qui a un carrefour, il y a un Kaburuni, il y a un Nesro. Il y a un offre à la Kaburuni, il y a un offre à la Kaburuni. Il a d'offre à la carte. Walma, madame, ni chéhoun, béné, ko, beléat et nesro. Madame, ni djinnan, béné, ko, fe, beléat et nesro. Madame, ni yirin, bé. Madame, ni djinn, bé. Madame, ni loulon, bé. Madame, ni wokolon, bé. Ki jigi seme oka, ni jigi seme soyala, il a d'offre à la ou talaka, oui. Ou doit qu'il est d'offre à l'ika, à la ou talaka. Al nasro ire ka teleba misri kono ka si misri kono Allah taala makotala Al nasro ire ka heji ka sansa Allah taala makotala Al nasro ire ka jamana dembe la dominika fanta be la domini Allah taala makoti ala kamasro ka moto flanga foya minan kono ire ka bato soya soya ke Allah taala bika bato beche wadwa nango famia angala jigisa jenaka angala jigisa malakaka angala jigisa kabroka Angalan jisi sheikhoka, angalan jisi morika, angalan jisi fuileka, fu Allahu Ta'ala kiri. Si nous regardons, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans nos vies courantes, quand tu as des problèmes ou autre chose, si tu as passé, dans ta pensée, tu penses que c'était pour là que moi je visite, ou bien ce chef là que moi je suis en train de lui adorer, ou bien c'est génie là. Et Shaitan, que je suis avec lui, il peut me protéger, il peut me sauver, il peut me faire ceci, il peut me faire ceci, il peut me donner la chance. N'importe quelle chose, que ce soit un génie, que ce soit un être humain,
que ce soit un tombeau, que ce soit n'importe quoi, toi tu es celui qui adore un statut, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils, Inch'Allah. Comme ça, tu es associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en faisant ça, tout ce que tu fais comme adoration, même si tu fais toute la journée dans la mosquée, même si chaque année tu vas faire l'ombre, même si tu lis le Coran chaque semaine, tu complètes ton Coran, Allah n'a pas besoin de tes adorations. Tout ce que tu as fait, c'est zéro. Parce que toi, tu es adoré, tu te donnes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rien qu'en avoir, en avoir cette pensée-là, que cette personne-là ou cette chose-là peut te sauver et peut venir à ton secours. Adorez-moi. Baton mereka do sukuna me misal le dirman da be fala me example le dirman dro adoy mi sranye ka slan dan fin donye ka be se ka ko jugula tegeima o sranye suya ne o fanay baton suya doy ko salawu ta lako fala ta khafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin na yasra ay mu'minu ay kala slan no ay kala slan shaytana ye de akala sala jina wa akala sala kafuru yani sranya suya la ay sranya bekeni alahu taala kire na ya sahih mu'minu an ga allah ola ka fo ni mu'min ka ni sranya suya nya si fengbere ma minti alahu taala oti la mokali bena ya taala o mi sale doy ele bola village la kada soro mogo do be afole ina ka fo ni kumala ala koka wal mai kumala tauhiduka wal mai kuma la ni temu ni ka ni tigla mo be tele sabadi ma abi fa tele sabakoro odwa ele na na ka fo amma so maslama ya temu ka sha ya ni me kuma tawhidu ka meze ka kuma seli ka meze ka kuma sunga meze ka kuma baranyma to ka ibeze ka sangelen ke olai ma bo temu ira develop la folo ele ka tawhidu ta tui ele ka minke ni ele regla fla na fo ka ba kama soro islana anya kafo abese ka dobo isila wal ma islana anya kafo abese ka sayal la tehima yala ale ko ibina tele sabale ka kasa ala wada la bebira san sabake kasa abina to jonta lela ha abeta ala wada la tala ale re ko itina sa tele sabala ala wada la bebina sa tele sabala abeta jonta la abeta ala wada la tala wada nikani libana yasoro ikana sila dan fen donye ka foka be se ka la te ka jugo la te ima o sa bia ko zani ki re be sila na village nye ele bola do me na kana ya ina la Brazzaville ala o dala ka ko no ema ni dala la jama be da capital e da village la mo ko so chokoroba do be na nya la langa na bara bra chembolo mo so roba do be na ka lo abela na bara chembolo abela bana blana abela da vio na da kanto aba do passeport be na tuno abla la tega borenga jole bi kono o yebe joba dole la hoye wadi aga yesla alahu taala ka tubi ka bo uma ka lo ga vol la tega bi alahu taala le goro ni alahu taala di la komi kele mo beke na ma di mi mo teke e kara slan dan fo ye ni sra yo suya la ni sra yo suya be nyasi ala kele ne ma ni lo ko ke e ka fla ka fuya ke wala ko zan giba ngo mo go do yere be do fla ka fuya kele la ka da le fla ka fuya mi nan koro ina fanga mi foni ni be wajol kala do soro ale beta do gola abam so ba wuri kala kon de kinana itala kanange kala me menal lalli kan do dima ni temo ni kala kuma ni kare do gon gono iya de kaburu ni na do ni kare nyo folo no aga o ga faga kaburu dan fala be yanfe ale bana ka nyo fo o ko fala faga iya de yanfe wa ni fala ka nyo fo o faga la o de ile kadine kini da do ni temo na ile fala ko ma iniche nala sorandira kwa ni temo ni ga ile rebe fala ka fiyale korote kada soro ile rebe fala ko fala ka fiyamai. Deuxième exemple pour ce qui concerne les pensées, et il y a certaines pensées, rien qu'en pensant ces choses-là, tu peux devenir mécréant, c'est la crainte d'un être humain. La crainte d'un être humain, en pensant que cet être humain-là peut changer ton destin, en pensant que cet être humain-là peut changer ton avenir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette crainte-là, ça c'est Allah seul qui change l'avenir. C'est Allah seul qui a le destin. Comme ça, tu as étudié à associer avec Allah. Il a dit, fais attention, cet exemple-là arrive souvent même au connaisseur. Un connaisseur, tu es parti, tu as appris, tu viens dans un village pour prêcher. Voilà tes parents.
Hein, parce que c'est souci de toi, et bien que tu vis dans le temps, il vient te dire, ah, notre enfant, vraiment, toi, avec le problème de ta vie, là, ici, on ne parle pas ça ici. Vous voyez, l'autre là, il est venu, il a dit que les idoles là, les statues là, c'est comme ça, vous voyez, on l'a tué, il est là. Voici l'autre pour vous aussi, il est venu, il a dit comme ça, on l'a tué. Voici l'autre aussi, il est venu, il a dit comme ça, on l'a tué. Donc toi, on fait que tu ne parles pas de ça. Il faut parler d'autre chose. Je vais parler de ces choses-là. Sinon, ils vont te tuer. Toi aussi, tu as dit oui, vraiment, mes parents, vraiment, j'ai compris. Moi, je ne vais plus jamais parler de ça. Et toi, tu fais un an, six mois, tu fais la prêche et tu ne parles jamais ça. Parce que tu as peur que toi aussi, tu vas mourir comme si elles sont venues mourir. C'est-à-dire que toi, tu as dit que tu es venu pour combattre les chiens. Et voilà que toi-même, tu tombes dans les chiens. Parce que toi, en pensant que cela peut changer ton destin, si Allah a voulu que tu vis 3 ans, 4 ans, 5 ans, celui-là peut te tuer dans 3 jours, alors, Inch'Allah, tu lui as donné un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui as associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette crainte-là, ce genre de crainte-là, c'est ce qu'on appelle ça, la crainte qui t'amène, qui fait le shirk, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce qu'il a dit qu'il va faire, qu'il va te tuer, il va faire que tu vas plus vivre longtemps, il va te faire ça, il va te donner une maladie, il va devenir faible, il va devenir fou. Donc, toi tu l'as appris, tu l'as mis à la place de Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, de Kser et Allah subhanahu wa ta'ala. Ami talo do fana mi oye arraja akoro mi ka miri ikono ki jigi la fin do kan ani ka fin don nata ko be se ka hera la sima o mi talo do mi mo mo be o la sheikhu photo bla la o la mobile ka e be mo do ye o la sheikhu photo be a dessin o ba bla o la mobile ka o lo miri ala ka foko ma de man be mobile ka do le bina fara hera ka ma de man ni photo ni be mobile bina la ta madama ni photo ni be lubena krosi o ba photo d'un bona ka bon krosi nay o ba photo d'un foro kono ka foro la taga nay o ba photo d'un magasin ka la taga nay jole deni be o bolo uyi ka ma tro ka bla ala ya bla sila o do ni o lu sala o ka ani mo ko be bigan kana tre yiri mo ni ka sujudu ga ye o bebe wuli jama kelena ki amalula o sa wi akoso ikana dan fin do bla ala ya bla sila ke miriyal la oka ke jige se oka ni torika ni ani ni mbara ni torika mo shaman be ake abe torika mo shaman bulu mo to ka dina kalama mo be dina dala ko fi yala mo mo be haidara batula haidara foto be do bulu bi wala mo bulu ka abo do bulu wala foro la jole be ko bulu oye mo be amara tijani batula olo fana foto be o do bulu mo rebe hama wala ho batula a foto fana be o do bulu nin bela jole ba bolo o ya be joba to la na sala ni ga ikala sa so ko ya la ikala do o kai ikala sala so ko ikala tabla za kabru la kama za ma sa sala ya ka si no le va no sha Allah subhanahu wa ta'ala ya hi notre manière de avoir la crainte ou bien de se confier à quelqu'un de la part Allah subhanahu wa ta'ala c'est certaines personnes sha Allah ils ont des photos de leur chef qui avait créé à chaque fois. Il cadre ça, il met ça souvent dans la maison, souvent il met ça, Inch'Allah, dans leur lieu de travail, souvent dans leur véhicule. Et en pensant toujours que tant que cette photo-là est avec eux, rien ne va les arriver. Ils ne vont jamais avoir un danger, ils ne vont jamais avoir un problème. Même si cette photo-là tombe et casse, ils pensent qu'il y a un malheur qui va arriver. Parce que cette photo-là est cassée, ils sont déjà foutus. Donc, Inch'Allah, même si les poussins arrivent sur cette photo-là, il nettoie très bien parce que Inch'Allah, ces photos-là, tant que ça est là, ces photos-là peuvent lui sauver. Ces photos-là, c'est comme son ange gardien qui est en train de lui sauver, Inch'Allah. Si tu penses à ça, c'est une photo, que ce soit n'importe qui et n'importe quelle personne, c'est comme si tu es en train d'adorer cette personne-là, Inch'Allah, donc tu as ici et tu es devenu maître. Alors, voilà, Amir, Ashab al-Kahf, Kourou, mɔgɔ dɔw fana bɛ olu tɔgɔ sɛbɛ ka taa sɔrɔ a tɔgɔ sɛbɛli yɛrɛ mana kuranɛ kɔnɔ o tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ ka baara min kɛ o de fɔla kurukan fana bɛ se k'o baara ɲɔgɔn kɛ innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda o ka limaniya baara min kɛ o de fɔla an ɲɛna an fana b'o ɲɔgɔn kɛ hadisa ma tɔgɔ fɔ nka dɔw ka tɔgɔ dɔ fabirike k'a la o la o tɛ porobilɛmu ba ye kaban ka tɔgɔ ninnu dɔw bɛ to ka sɛbɛ kabila bonda la ko madama ni bonda la ko sonte do
walma kabla magazena boutique kono ko madama ko ni be ko suntena walma kabla forola ko madama ni be ko suntena jole be bolo oyebo batola kama to e ka yira le kafo ala wa tala be ko min kenu no fa na be se ko nyoke ala wa tala le be so yoro maje ila ala wa tala le be mo jugo yoro maje ila wala ko sa nyin ni fe ko ni dubisa gbara yi re karfa ala wa tala la ya fa qul a'udhu bi rabbin nas ya fa qul a'udhu bi rabbil falaq ibi re karfa ala wa tala la ni urasira yi re karfa ala wa tala la ni le ka karfa nyin ni fe ngbere fe to min ala te kele yi ko fe to wala bla ala ya place la oyi o fe min den bi la bonda la jole bi la dala oyi o fem min den bila mobile ko jole bila mobile ko oye o fem min bi bolo oye wal ma do yere fana ba ke ka yiri yoro do tege ina fo amriya be do ko nyame ma ko ni le mo ko ni be posira ko accident yi soro wal ma le mo ko ni be mobile ko no mobile te be accident a soro wal le mo ko ni jole bi bolo mobile ko no oye wal le mo ko ni jole bi posira oye fo na soro ka le mo ko mi ma ko bala ka min kanto ko ma me ni ko le ka bila mobile ko si ka ba i ka bila ala ya place la o to ba ki le to ni kele la ala ma ko ti le la seli la ala ma ko ti le la suna ala ma ko ti le la jaga bola ala ma ko ti le la saraka bola fu ye tu bi ka ni be da bla ka lo ka fo bato so ya be ka ka ala wa taala kele ye ni ka bato mi ke o ko fe o be jate bato ye ala wa taala fe parmi aussi des exemples c'est Shaitan a donné une image sur certaines personnes. Nous savons que l'effet des jeunes qui est de sorte grave, les jeunes qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala, qui étaient dans la grotte, ils ont eu peur, ils sont partis se cacher dans la grotte. Ces jeunes-là, certaines personnes écrivent leur nom. Les noms qu'il y a même des récupérateurs qui a dit, mais c'est des imaginations et des paroles. Ils écrivent ces noms-là, c'est leur porte. En passant, quand ces noms-là sont devant ta porte, il n'y aura jamais des voleurs qui vont venir se retrouver. Il sera sauvé. Ça, c'est une adoration. Hein? Ça, on va sauver. Et c'est un chiffre. D'autres personnes, c'est même pas ça. Il y a certaines pensées, peut-être parce que non, quand tu voyages, ou bien quand tu marches, si tu as les citrons dans ta poche, ou bien dans ta voiture, il n'y a aucun accident qui va t'arriver. Ou bien si tu as ce genre de bac que tu portes, il n'y a aucun jamais, il n'y a pas un mauvais sort qui va t'arriver. Comme les bacs en argent, par exemple. Il n'y a aucun mauvais sort qui va t'arriver. Donc, ou bien quand tu as ce truc. Donc, en faisant ça, ce citron que tu as mis dans ta voiture là, ou bien dans ta poche là, en pensant que tant que ce citron là est là avec toi, tu n'auras pas de problème. Ce citron là est devenu ton idole que tu es en train d'adorer. Même si, Charles Sondala, tu ne worship pas pour lui, même si tu ne pries pas pour lui, mais tu lui as donné une qualité parmi les quatre Allah qui est la protection. Tu as dit que c'est ce citron là qui va te protéger. Tu as dit que c'est cette écriture que j'ai mis devant ma porte qui va me protéger. Là, comme ça, tu es en train d'aller adorer Inch'Allah souvent sans connaître. D'autres m'ont fait aller au bol l'année à Dobé, bon et à Dobé, la communauté bénie. Qui est accident qui avait déplacé Katafri, il y a un robe à sa chiama, moto Kadina Kalama. Mon Madina Tayrolo, va sa chiama, abaka Boroko, chiama Katafra, voir sa monstre. Pour la Bible, la communauté bénie. Londo, allez de la mobile pour la Tarato à Ferreira, la chiama Boroko, la mobile bénie à l'air de sala. Min ba bolo la okasha boro fani bala ay mobile kan ala ka ke mobile binani ale ale re halakila ala wata la beto kan example o ka son ka yirana pour ka me hakli soro menen en kele le nyakoro ima dar so soro mo gore be na sini to ka nyon ke ile nyakoro ate kom ni mo mo ka ke mobile be no yo menen example o kelen dile makaba o kan ki bo ala zo example re madima na foli na ka be kan ka lala mais les mains sont au main alors tu as la bille hakili d'adobe te même fin la kata ou tu vas faire j'ai sévère anin nata ka fin nata anin saranye anin kano ni bel de ce qu'on a bara et ken go kafoko la ilaha illallah a te de ratron yé ni fou nyasi fin bere ma fou alors tu as la kele ni le kane nyasi fin bere ma mita alors tu as la minti alors tu as la il est ke kafoko la ilaha illallah alika zikro l'onu chien wabi ou ronfla atinafa. Si nous regardons, il y a une personne qui vendait une bague. Il disait que cette bague-là et il le porte, il ne va jamais avoir un accident. Et lui s'est déplacé pour aller dans les villes et les villages et il vendait cette bague-là cher. Et les gens payaient pour cette bague-là. Ils disent que ça protège. Mais lui, un jour, en allant vendre cette bague-là dans un autre village ou quelque part, il a beaucoup de cette bague-là dans sa voiture.
ou bien avec lui, et lui-même il est mort beaucoup, il a fait la trahison, il est tombé, lui-même il est mort. Voici celui qui va là-bas, qui protège, qui lui-même vient de mourir à cause d'un accident. Allah souvent n'a pas besoin de faire ça, mais souvent pour nous donner l'exemple, pour dire que, inshallah, que celui qui fait ça, ça ne peut rien de faire et ça ne peut rien vous protéger. Souvent Allah fasse ça, mais même si tu n'as pas vu ça, tu devais savoir que ces bagues-là ne peuvent rien faire pour toi et ne peuvent rien servir pour toi. Oui, Ayra Folaye, comment la Sunya Bouloma? Quand un bateau mauvais gars de ce bon là, il était ce gars qui à la morée, quand on serait Kenbe car Donia si fembre m'a mis à la hôtelée. Vous savez à quoi ça? Il était ce gars qui était pour moi aussi car qu'on est mominé abadan. Et quand mes gars vont ne pas dire la pomme mominé l'eau, ne pas dire la pomme c'est la malo. Vous savez à quoi ça? Il était ce gars vont moi aussi mais qu'on ne va rien à quoi abadan. Et quand mes gars vont marier rien digne aille car ben fait manque à mille. Quand on se referme, mais ademari de second qu'on a à la clé n'est qu'alors. Et le même mot qu'un agent fait au long. Ni quand mon ami Jobatolay, pourquoi Jobatolay? Ni ma mon ami Jobatolay, pourquoi Jobatolay? Mais à ce qui ne me sert à tout, mais c'est la Joba de second. Je ne connais pas la haute à la tête. Quand ça n'est mon ami quand nous mal l'anguin à maille à n'y a même rien humain tani ou émanda von coni jatica barigina pour un tafoté. Fonny d'alloca for anina à la haute à la quoi à mani barigina pour un mauvais barigina pour non. Chirin ko ama sallallahu alaihi wasallam ni bari jena kono mo ngoni bari jena kono na bolo la ni mo mo ka ko yima ke ame miria nyuma tani ko yima nta fo ga bari jena kono kama sro adama jelo abese ka fen do be su kuna allah aalam bihi ala le kolo abo nya ma fana ni mo mi ka flanga fu yal la ngena may aye ame flanga fu ya kete bori hoka o do ame min ko ni rola ya ite se ka ke mu'minu ye ite se ka do arjena kono fuyé de zokun sania kabo flanga fuya suya uma flanga fuya mimbe mo ka bato be cheima. C'est pour ça que c'est très important de penser ce que le type de dîme pense. Parce que, inshallah, certaines personnes, tu les vois, il a tête d'adorer Allah, il fait beaucoup de adorations, mais au fond de lui-même, il a ce genre de pensée-là, il se confie que d'avoir Allah, il a peur de quelque chose, là, comme il a peur d'Allah, ou bien plus qu'il a son père pour Allah, son amata Allah. Il se remet quelque chose d'autre pour gérer son problème et il le bloque. Mais toi, tu ne peux pas connaître ça comme ça en voyant. Inch'Allah, c'est pour ça qu'on ne peut jamais voir quelqu'un, même si il fait n'importe quel genre d'adoration, on voit que nos cellules sont dans le paradis. Parce que nous, on voit ces actes qui sont vraiment, qui sont en public, que nous voyons. Mais ce qu'il pense au point de lui-même, c'est Allah seul qui sait. C'est pour ça que dans l'islam, on ne peut jamais dire 100% de cellules dans le paradis. Mais aussi, on te voit en train de faire les bons actes, on dit celui-là, vraiment, on pense bien de lui. Parce que par rapport à ce qu'on a vu. Et si on voit quelqu'un en train de faire le travail de mécréance, on dit celui-là, c'est un mécréant. Parce que c'est ça qu'il a montré. Ce qu'il a montré, c'est ça que nous regardons. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous pouvons pas dire, même s'il fait beaucoup de bons actes, que celui-là est dans le paradis. Parce que l'être humain dans son cœur, ce qu'il pense, c'est Allah seul qui sait. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne connaît pas ça. Donc nous pouvons ajouter qu'il est dans le paradis ou il n'est pas dans le paradis. Sauf les gens qui pensent à toi lui-même, en étant en vie, il a dit celui-là est dans le paradis, celui-là est dans le paradis, celui-là est dans le paradis. C'est là on dit que c'est dans le paradis. Inch'Allah, parce que le Prophète nous a dit ça. Mais à part ça, tous les autres, on dit, nous passons bien d'eux par rapport aux actes qu'ils font et par rapport aux actes que nous voyons. Ayora Flana, où est né? Né, il y a un bateau Boloma. O bara nunu a bekan ka ke Allahu ta'ala kirene o bele bele do emi zikru ani duawo zikru e fenye a fon nenga do fon e fenye nemba fo o zikru mo bekala ani o do mo bekala o kan ka nyasi Allahu ta'ala kirele ba ko sa ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in o kore mi ante de men ni fensi fe fu Allahu ta'ala kirele. Kosa kala do nyasi fensi ma fo ala ni ka do nyasi fen brema minti ala wa taala e ka bato su ya le ka fen bre ye we ala wa taala ko wa idha saalaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'a idha da'ani abe wole le para ka wole le jabe to wana min anni an ka ale ala wa taala kere wole o to do awu ani de menyini we bato su ya do le mo ba ka wonna kuna nga akan ka nyasi ala wa taala le ba. Ni mo min ka nyasi fembere ma minti alaye Allahu ta'ala ma kote otila mola bato tola o mi salo ka sha amena do fala na la sala. Deuxième partie, nous avons dit que c'est trois parties.
l'adoration sur trois parties. Ça concerne l'âme, hein, ou la purification de l'âme. Nous allons arrêter à ça. Et le deuxième exemple, le deuxième partie, c'est la langue. C'est que la langue, c'est que quelqu'un parle avec la langue, cette parole-là peut aussi être une parole de mécréance et une parole qui va te faire sortir de l'islam. Il y a des exemples de ça, c'est implorer quelqu'un de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un problème, demander secours et implorer quelqu'un de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la langue qui implore, c'est la langue qui fait les doigts. Donc, en faisant ça, il devient quelqu'un d'associataire. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, c'est toi que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons. Donc, ça va implorer, demander secours à quelqu'un d'autre qui te sauve ou qui fait quelque chose. Ça, c'est parmi les attributs d'Allah. Si tu fais pour une créature, tu viens de lui adorer, inshallah. Oh, mais ça veut dire mieux. Et le gazi, c'est quoi? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oui, Allah, toi, le kain. Alors, de la paille, le voulé, on est là, il a ce moment, on a fait le roi. Amala, de la voulé, n'a pas le kain. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, le kain, qu'est-ce que c'est? Alors, de la voulé, nous. Mais, donc, il est ma connu, il est là, ya Allah, ya Allah. Ko amiftahoube, pour aimer à la clé B. Walma, à fin d'obé, qui au fraga, nous, qu'elle a abétiria. O fɛn min bɛ farala kan o ye jinatɔgɔ de ye. O jinatɔgɔ faralen nin kan a kɛra de komi ko ya Ala e Ala mako la ɲa. I bann'o la i ko jinɛw a ye fara Ala kan k'an mako la ɲa n'a tora Ala kelen bolo a bɛna sumaya. I ka min kɛ n'i ko le yira o la. Paseke n'a y'a sɔrɔ Ala kelen tun b'i bɔ i tun b'a to Ala ma kɛ. N'i ko ya Ala ya Ala ya Rahman ya Rahman n'Ala b'i mako bɛɛ la ɲa i b'a to a ma kɛ. Mɛ n'i ka i ka jinɛw fara kan ka malakaw fara kan. Ka ruhaninaw fara kan ruhaninaw ye jinɛw de ye mɛ olu b'a ko fɛn wɛrɛw lo n'i ka i k'o fara kan i k'a yira le k'a fɔ ala i bɛ se ko bɛɛ la nka i kɛra cogo cogo i ye kelen de ye ni dɔ wɛrɛ faral'i kan dɔ bɛ fara i fanga kan kɔsa a bɛ dɛmɛ ɲini fɛn wɛrɛ fɛ min tɛ alaw ta ala ye o min filɛ o ye o fana ye filankafoya le kɔsa jinɛ tɔgɔ bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo o bɛ zikuru kɛ ka ala tɔgɔ wele ka ban ka fɛn wɛrɛ tɔgɔ fara kan min tɛ alaw ta ala ye. N'o ma tubi ka bɔ a la n'o sali kana seli o sokɛ kana dogo ko ye ka ma sɔn ni boli sɔnna bɛɛ ye kelen alaw t'a la fɛ. exemple de la dɔ sɔn avec la langue certaines personnes adorent Allah ils implorent Allah ya Allah ya Rahman ils demandent Allah subhanahu wa ta'ala mais Shaitan est venu leur mélanger des choses et on le dit c'est vrai ya Allah c'est bon mais si tu veux que ça soit rapide donc ya Allah il y a cette formule-là, et qui ne veut pas nous dire, peut-être quelqu'un d'autre voit, peut-être veut pas aller essayer ça. Donc, il y a cette formule-là, ou il y a cette parole-là, et quand tu ajoutes, alors ça va être pris plus rapide. Vous voyez, et quand tu as pris ça, tu imposes Allah, après, tu prends cette formule-là et tu le dis. Donc, ça va être rapide. J'arrive, vous savez de quoi? Et tu penses qu'Allah est capable de tout, mais souvent il est seul. Bon, toi, s'il y a des anges là, ou bien les djinns avec lui, ça va être plus rapide. Alors, c'est pour un peu aider Allah dans ce qu'il fait là. Alors, tu es associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toi, et celui qui adore, que les djinns, vous êtes tous pareils. Un homme qui fait ça, s'il meurt, s'il n'a pas d'empathie, c'est pas un musulman. Il ne faut pas faire de droit pour lui, il ne faut pas tout décider. Car il est mort en étant mécréant, inshallah, car ça, c'est les pires mécréances d'implorer les anges ou bien implorer les génies. Pour vraiment souvenir à ton problème, Inch'Allah. Ça, dès que tu passes, non, ils ne parlent pas des djinns. Et ils appellent les Rouhaniyas. Les Rouhaniyas, c'est qui? C'est des djinns. Hein? C'est des djinns, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, il faut s'éloigner de ça. Attends, moi, on a deux obéis. On a dit Allah t'a envoyé, qu'a fait mourir Faraka. On a dit Mango Tébé. Donc, il y a des obéis. On a dit Fembre Wole. Il n'a pas de Kolodja, mais Moubolo. Kolodja, ça dit qu'à Harvo, tu es là. Ya hal 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 ha 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 ho ko ye ilhamu ye o ma ɲininka ilhamu sɛbɛlaw nin kolojan suguya b'o bolo k'i b'a sɛbɛ ka kɛ nasi ye ka kɛ saga kunkolo kan i kelen b'a bɛɛ dun jumaso dɔ la epi i bɛ sigi k'a zikuru ko n'o kɛla ko ilhamu bɛ k'i ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ilhamu kɛ a y'a bɛɛ jate mina a bɛɛ karamɔgɔ ye sheitana le ye a bɛɛ jinɛ le b'o kalan sunɔgɔ la mɛ o b'o kalan fɛn bɛɛ la fo tawhidu. Seitana b'i kalan fɛn bɛɛ la fo tawhidu a bɛ se k'i kalan arabukan na i da bɛ di arabukan na kosɛbɛ a b'i kalan kuma la i bɛ se kuma la kosɛbɛ
abikara fikula ibo longa ya gozeme metawhida tikara ola mokoso kabazo sheitana kaloni tawhidu kunin bola femina kaba o fento ko bani lewe fonyo betara noye fembu yana choko joni tawhidu bola la fonyo betara nay wolo ko zamo mo bi ajina to sebe ko bi ilhamu nyinina ko be loni nyinno be dusu no la ko be fofo hoina to bodo la rabi qur'ana drosi jino ba kara qur'ana la mo ta kara qur'ana la nyinina mo ko rabi qur'ana do zamza jahannama qura te bo ko lo gba drosi lo teo la nyini mi mbe ala ole la nyini ele ka qur'ana do zibe do fara la o ta la ka e ka qur'ana do zibe fla ka fya ke o do shaytana be so kari be ke me tawhidu qur'ana la nyini ite ilhamu ke fiu ko ibe ke tawhidu kalama foni tubi la ka wala o do be ni ko famia ko lo jangu mo bolo walma jinatoko be mu bolo walma malakatoko be mu bolo walma fengre be mu bolo ko miftahulo ina fo shetra ka doktor nge dola alahu tala to de ko al latif ka alahu tala wala kul latif ka ya latif ka ma kul latif ko miftahu do bala ko bulbul bakbak bulbul bakbak ka miftahulo we wada bulbul bakbak wa tala to yo ale da ko ka miftahulo ka da ile na le we ibo le zikun fo bulbul bakbak bulbul bakbak ibo ke shiyama kasrosa ka ya latif ya latif ya latif o kore be ka jeno le bla ala wala nye fe kasrosa ka jeno bla ka ala wala wala ka faro ka no ma ka fla ka foye fla ka foye ate muri ya sigin me fe mo ka o dole no no ye si ni do ga don ya do de exam de person ki son le talisman le talisman c'est pas le ala son ta c'est même pas l'arab c'est les phrases qui sont fabriquées ensemble cha Allah son ta ala c'est qu'ils ont vécu dans ces pays dans ces pays là qui existent voilà ça très bien. Donc ce talisman-là, souvent, faisons attention, il y a même des livres en français qui parlent de ces livres-là, disent qu'il y a les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 99% de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est fait par elle, un connaisseur. Ces livres-là, il y a beaucoup de ces choses-là dedans. Donc faisons attention. Il parle à Rahman, il dit si tu veux que Rahman te donne comme ça, tu fais 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 ça. Faisons attention. C'est les noms des djinns et autres choses qu'on ajoute. Celui qui regarde les forces loisines, c'est Allah, il trouve ces mêmes choses-là dedans. Et il parle de choses. Le Coran, après il va amener ces choses là qui est dedans. Donc faisons très attention. Il a dit, c'est comme si celui qui va, on dit, par exemple, c'est un zik, on dit Yalatif, c'est le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bon nom pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce shaitan là te dit, pour que ça soit rapide, il y a un clé. Ces clés là, il faut d'abord les prononcer que tant d'fois, après tu vas dire Yalatif. Donc c'est comme si tu es amené d'abord, avant d'amener, de demander à Allah, tu as demandé d'abord les génies et les djinns pour qu'ils viennent aider Allah pour résoudre ton problème. C'est pour ça qu'il dit que toutes ces choses-là, c'est associé avec Allah. Il y a certains intéressements comme ça que les gens font pour avoir de l'intelligence, pour avoir les révélations. Quand ils font ça, quand ils dorment là, ils mangent ça, ils mettent ça dans les viandes, ils mangent ça, ils dorment la nuit et ils font une certaine zik. Toute la nuit, donc avant le matin, il y a déjà un peu de courant de la tête. Il a déjà du fiqh, il parle déjà arabe, il parle déjà anglais, il parle déjà tout ça, il peut connaître ça comme ça. Mais il a dit, ça c'est Shaitan, ils sont avec eux. Il t'enseigne tout sauf le tawhid. Parce que si il t'enseigne le tawhid, toi tu dois le fuir. C'est pour ça qu'il dit, inshallah, souvent, même Shaitan t'encourage à faire même l'adoration d'Allah. Parce qu'il sait que tout ce que toi tu es en train de faire là c'est zéro, parce que tu es déjà associateur. Donc inshallah, donc il t'aide à faire beaucoup ces choses là. Même le fiqh, il peut te donner des connaissances. Mais le tawhid jamais, il ne va jamais te ouvrir la porte là. Parce que dès que tu sauras ça, tu vas le quitter. Donc, inshallah, toutes ces choses-là, c'est des associations avec Allah, nous devons les laisser. Tu m'as dit là, Shaitan a béni ma matin à direct. A béni ma matin à direct. Mais fait, y est, il croit que vous avez dit. Bien, ni zikro de babolo, j'attends de zikro de la, karamodo karamakayake, je m'en fous. Kala male bolo korota ha zikro do wejone bolo kya ga ke bas mandan saba kya ga ke menani an biloro kya ke ni jade o zikro do wejone bolo alhamdulillah alam misrin ko problem fete problem fete alhamdulillah ndi bebe ya fo shetana be do ala ron do no fina a misal do mi naam 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 ila ko nyere ila ma ka be ka mele naam o ko di ya hakim ah
Hakim ki bo zikro wanani ali kema flani mwa ni le makara ile be ko problem ta la hakim ya la to le yo kala wala ya hakim ko en fokati me wo sabati la ya hakim problem fo itola aha me wanani kema fla ani mwani ile malonga foko kodi dole yo e o kodi ni jena uka kodi lo oko da zikro mo be di mani chocolate ala to mo be di ma ka ada ka jate da bla la o jate da ni jina uka kodi le o jate da ni bla ro juma ya hakimu ha o ken be alfa be mo be arabula a ba ta sa o be a ba jada o alfa be no o ken be ka nombre bla kelengeli bela a o be nombre doble la ba o be doble la jimo o be doble la o do be no ka o ke o chola o ba fi na ko agunu bi ala nombrun lila a o gunu o be kelena ba o gunu o be flala jimo gunu o be sabala e ka famia o do be ni be fe sisa hakimu ira gunu ye soro ire bolo ye azikro ka be adadu min bala ba ko hindu ha o go fle o jate de jole kafu o go jate da me yawo o go jate da me mi mo go mina o go franyo ka no benamima o ba fo ke hakimu zikro ka boma to ina ko ka mule be ka karamo che ko na ko ke ko ala to kelen kelen be ko khadimu do be ka korosi khadimu do be ka korosi o kore mi ala to kelen kelen be jena do sigin be ada fo lura ba fo te jena do sigin be ka korosi o jena ne wa fo ko khadimu ko ni ka ke ni jate dala aka jate dan fina wana ni ke be fla bi ani muwa wal maka jate dan fina ni ka ke ola abe soni o khadimu fe na soni o khadimu fe ika do jebe beteria ale bata automatiquement ka lase ale fana ka anyemo mbe sanfe ale ba lase oma na kala we ba lase ala taala ma no kala ka do jebe beteria wato ile sigme ka bako ya hakim ya hakim ya hakim ibe ala le wala le khadim le wala ha ile khadim le wala wato ani fana shaytana ka politiki do ka ala to ka ka fembere wala ka da so ile ta kala ma aba fina ko latifu ki yo zikro kemme ani moa ani konondo mune koso ale fana hindu bola ka doma o ba fo ko al adadu saghir wa adadu saghir ni iba ko multiplier o jade da kel la bi da ke watan wor kemme wor bina ni ani kele ki a zikro ka doma ki kala ke bina ni flade e kala ke bina ni fana watan wor kemme wor bina ni ani kele ni o kala bi ta sore khadimu fe ina fo ile ka telefon ni muru na la be 40 ni ka ye 40 ya yo sone fewa ni ka ga 30 ne ba be sone fewa wo ta ko khadim fana tabe o tola wo le ko so ta sabila ko la dona anka dina ko no anka dina dote ka ma so jate da mi fala ko kelen kana fara aka o jate da nin korosili ko bi la se we ko di dole ke la se jina o wo le ma ka ta so ita kalama wo do ani ko famia zikru fem fem be di man ni ala to te ya tui zikru min be di ma ni ala tolo ni jate dabla la ala chide ma min fo inna sallallahu alaihi wasallam ye o jate da to ino de kodino ka jina o wole no ke la jina o fra be branche ile la jina o be na ile ko ni ko wole do jina o kan ka inna maranya ma o bo ke ile sigi be ko ate fo ka ni ala to te ya latif ya rahman ya rahim o de ma de ba le ba golo ka ta so ro chiya chiana abi ala tole ke la ka fembre wole o to ni o ke la abi fembre lo wala ele to gobedi daud ha daud ele to gobedi ibrahim tay ni le gosan go daud daud mi le le wala be min le wala ha la mi le le wala ni to go daud ele to go ibrahim ne go le ma go daud nga nyalo go daud nga mi le ma daud me jene wala ayi mi le le wala mi le le wala o do afen e ko fam ya nyame ala to le be kala ka jina wala ala to le ko hakim mais ala to le be kala ka jena wole ala to le ko arrahman ala to le be kala ka jena wole ala don ko walillahil asmaul husna ala to la to to nya mai fadihu ay ala to la kenin wole aha biha ni ala yere to ye o di ibi ala le wole ni ala to ye iti ala wole ni fembere to ye ifana te fembere wole ni ala to ye ibi fadihu ibi ala le wole ni muye ni ala yere to ye o do do bi ala wole ni fembre to o le ko lo nyante wi mo be ko lo nyanta la ani mo be jina to ta la o lu le bi ala wole la ni fembre to ye ni do nga ala wole ni fembre to ye ala ta la ma ko ta la
mon frère à la toi qu'elle a ni jeté d'un noué ou l'ouvre fembre le ou elle est là ni à la haute à la toi ou l'ousima baraka ni qu'on a aïe anina ou toi ni mon homme mais à la yera ou elle est là et bien à la toi qu'elle a la yera ou elle est à la toi du ma à la toi nana courana courami chenega en caramina sala salam ani à la toi nana harissa pono notre nom qui n'est qu'on n'est tourne de moussa pour l'autre et le moussa manioyo n'est donc de isa pour ouye côté n'imperdue chez traka n'amara comme au la fin. Tant le kelema je moru fe latifu khadimu sale réalité le quoi sale latifu a khadimu salu to do be o khadimu ye suluku ye to do be o khadimu jarame latifu kere kere lu wale khadimu sale wolo ko zani ba zikro ibe to ka sai ko ba ka konya male akrente o be shema ne ka zikro o moriya ta we sai o de be sale ba tola za kon la khaira Shafran Islam inshallah sidi sabre be dita inshallah. Le chef devait nous dire qu'un homme comme Allah subhanahu wa ta'ala, il peut l'évoquer avec ses vrais noms qui est dans le Coran et dans les hadiths. Mais d'autres personnes évoquent Allah avec les noms qu'on ne connaît pas. Si c'est en hébreu ou si c'est en chinois, on ne connaît pas. Parce qu'il est même, le mal de droit, il prononce ça, ce n'est pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux-là, ils ne sont pas en train d'évoquer Allah, ils sont en train d'évoquer quelque chose à part Allah subhanahu wa ta'ala. Mais d'autres aussi évoquent Allah avec ses noms. Mais j'ai été venu mélanger les noms, ils précisent ça avec des nombres exacts. Il faut appeler Allah, par exemple, Allah lui, il faut appeler avec son nom 66 fois par exemple. Il faut faire Ya Latif 121 fois par exemple. Il faut faire tant, certaines fois. Donc, vous donnez un nombre exact. Il faut jamais dépasser ce nombre-là. Toi, tu es en train de faire ça, tu penses que c'est le nom d'Allah, oui, c'est le nom d'Allah. Mais en faisant ça, tu es en train d'appeler les génies. Parce que ce nombre-là, c'est un code pour eux. Ils ne te disent pas. Toi, tu es élevé, ils ne te disent pas. Parce qu'ils disent ça, tu ne peux pas le faire. Mais c'est un code pour eux que tu es en train d'appeler un djinn. C'est comme si c'est un numéro de téléphone, dès que tu fais ça, ça va sonner, c'est génie là. Et ce génie là va prendre ton dossier, il va amener vite vite chez Allah. Or, si toi tu le fais, ça va prendre du temps. Vous voyez? Donc, il ne faut jamais évoquer Allah, même si c'est le nom de Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne faut jamais évoquer Allah. Et appeler Allah, chez Allah, avec le nombre précis qu'il n'y a pas de preuve de langue dans les hadiths ou dans les sunnahs. Hein? Deuxième chose, il ne faut jamais appeler Allah avec des noms qui ne connaissent pas la sens. Car ce n'est pas le nom d'Allah. Peut-être que tu es en train d'appeler quelque chose qui ne donnera pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'auras pas d'excuse. Car tu es en train d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wati mfolo, cela ma datugun Allah sona. A sabana, batoka anga ke Allah wa ta'ala yifarakulu yoromu lawe yifarakulu yorotowe. Nidusukum wala lakannem wala yorotowu. Batomu nyasinu waka anga ke Allah wa ta'ala kile. Umi saluka shafoka tadoe mi. Sarakabo ani karatigali sarakabo sarakai batule ye ayron krosi kosebe mo shaban piegela ni rotora sarakai batule abe kala utala ina fo selbe kala yam na sunbe kala yam na me ala utala ka saraka inna masadaqatu lil fuqara wal masakin kata sadana saraka mbola la ko sobe di de sebe kato lema obedi miskina ulema obedi yatima ulema sete mo amuye me la fo la saraka mema ko ni saraka ni ya ka saraka gbemai ye ni saraka ka saraka gbemai gbemi farla ka wo bayra ka makala ko so kire man ni gala sallallahu alaihi wasallam ko saraka jumale kai ko sebe ako anfasuha
inda ahliha femi na valere kabo atiki bolo asongwa kashia kosebe aglaha wa alaha samanan ibole sabwe saraka yi mina faka bu mwoka meni kulere kodo na saraka la kaba yalo ka wukoni saraka nte wala ala koso wadu wafeka lo koni saraka ni abe wala jena ule koso atokomasile kashia atokomasile doemi ye kuleri na fula kie saraka ke kule bwemae alonga wako jena saraka lo yake ulemae jena saraka lo yake sakanfin sakangbae jena saraka lo ni kuleri kodo na saraka fefena yalo nga wakakala jena utai odo saraka suwe ya ikono uboe kena participe ula ni koke ibo ubola jena ule kama sulo jena ube kodi dole bila ane nyonche ukodi nuno no kela jena farabalo kubarato kela alile pase fembe idusukuna malo fembe ademade idusukuna jena talo kwenye kafo ala utala li kalo fembe idusukuna ando ka dina kono ka saraka bo banka dina kono watu anile ka saraka bo jena talo ki ka bo alile ale do mefe ya bo ale purkemita jahana mako nite bo wakosa abina ni fendo abina ni singi doye ani abina ni tohomasire doye utohomasire doye mi uye kuleru kwe ni momo kima ke saraka do baka kuleru foka alaka ya longa wako ni saraka nika la jena utaye isi mwala mimi dal mamu wano na mimi dal mamu wano li mamu olile kanga ke mwo fole mimi ni saraka suya kwa kwe mi probleme mi e mwole be li mamu yake la mini li mamu ya manka jene be li mamu yake mwo me be mwo nyasina kia mama mɛ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ danger kɔnɔ o bɛ se ka kɛ limamu ye cogo di ala faamuya ko ɲuman dama. An bɛna s'o ma an bɛna s'o fana ma an bɛ min s'o ye kulɛri ye mɛ a tɔgɔmasɛri dɔ fana bɛ yen k'a di mɔgɔ dɔ an bɛna s'o fana ma inshaAllah. Naam, les choses bien expliquées inshaAllah. Vous savez, les docteurs, il faut soigner les malades, ça fait mal. Mais inshaAllah, c'est des médicaments. Quand ça fait mal, ça veut dire que le médicament est en train de faire son effet. InshaAllah, donc on nous demande de comprendre inshaAllah. Donc, le sacrifice c'est très bon. Nous sommes arrivés au troisième parti parce qu'on a arrêté le deuxième parce que le temps est déjà arrivé. Le troisième parti c'est quoi? Dans les actes. En ce sens d'Allah, dans les actes que nous faisons. Le sacrifice c'est une très bonne chose. C'est recommandé. Et ça protège d'être humain contre beaucoup de malheurs. Et c'est très bon. Mais faisons attention. Le sacrifice aussi c'est une adoration car on doit le faire à cause de la lucide. Subhanahu wa ta'ala. Mais certaines personnes font le sacrifice, ils pensent qu'ils sont en train de faire la cause d'Allah, soit d'Allah, mais ils sont en train de donner ça au génie. Parce qu'ils ne savent pas. Mais il y a certains signes qui montrent que ce sacrifice-là, est-ce que c'est à cause d'Allah ou c'est pas à cause d'Allah? Parmi ces signes-là, c'est le signe de couleur. Quand quelqu'un te dit, au cours d'un problème-là, il faut sacrifier une coque blanche. Ou bien, comment on appelle ça? Un cabri. Et telle couleur, ou bien une vache telle couleur, qui a une blanc comme ça, telle comme ça. Souvent, ces choses-là, même, il est mince, souvent même, il n'a même pas de graisse. Mais quand mon tante va les payer, ils vont devoir ça cher. Parce qu'ils savent que c'est recommandé, c'est demandé. Ces couleurs-là, c'est recommandé, c'est demandé par les pétitionnaires. Donc, souvent, on voit qu'il y a une certaine couleur de coque, ou bien de l'autre-là. C'est combien? Quand il dit que c'est cher, il rit. Parce qu'il sait que toi tu ne connais pas. Ah, ce soir, après, il sait que toi tu ne connais pas. Celui qui connaît, dès qu'il dit non, regarde ça, je vais tout de suite, j'ai pris. Parce qu'on trouve quoi? Est-ce que si c'est à cause d'Allah, son Allah, est-ce qu'Allah a besoin de quoi? Allah, tout ce qui fait cette accord-là, il a dit, Allah nous dit, le prophète dit, la vache, ou bien les cabris, ou bien les boutons, qui a la graisse, qui est con, qui a beaucoup de bien, ça qui est demandé. Mais quand on demande un colère précis, ou bien une façon précise, c'est pour te dire que cette crise-là que tu vas égorger, ce n'est pas à cause d'Allah. C'est pour les génies, pour les djinns. Parce qu'il a dit les génies, les djinns, contrairement à ce que nous pensons, ne connaissent pas ce que nous pensons. C'est pour les djinns. Les djinns ne connaissent pas ce que nous pensons, ils ne connaissent pas ça. Quand on n'a pas fait quelque chose, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce que nous pensons, ils ne connaissent pas. C'est Allah seul qui connaît. Mais souvent, lui, c'est son pote. Lui, avec son marabout, il dit bon, si toi tu as pour écouter un bouton, n'importe quel bouton, les djinns là ne connaissent pas que tu as fait ça pour lui. Mais si il lui a donné une caractéristique spéciale, et que ce soit un mouton blanc qui a des pieds comme ça, qui a des pieds comme ça. Dès que toi tu cherches tel école, il dit ah, ça c'est pour moi. C'est parce qu'il a déjà vu y aller, il y a déjà l'école. C'est pour ça. Mais toi qui écoles ça, on ne te dit pas ça.
Il te dit pas ça, donc faisons attention. Ça, c'est le premier signe qui montre que ce sacrifice-là, tu es en train de donner ça vraiment au génie, aux autres choses, et tu es en train de devenir mécréant. Tu vas voir ça. Il y a la méta signe flanana, quoi dit dans les couleurs qu'on a, mais fait pour développer pour que et hacker les données. C'est un coup au maman, nous m'a. Ko téléworon flambe semaine kono télé jolbe téléworon fla téléworon flani ko alaw talaka alon kelen kelen be ka ko ya karfa malaka dola bité tenay moro fe tenen ko be jibiru le golo moro fe ani mo ben tablo ka tenen ko ya karfa la jibiru le la talata karfa la dogore la araba karfa téléworon fla be karfa la dola o bala o classe mala jibiru re tenen kalama ko ni classe ma kala o ka ni ke o ni yoje tu vas amener au bana au classé mala au cas ademade ma coupe c'est ferme ou ma canina mais là au cas bête là ou ronfla car quelqu'un carva tenant tala car d'offre carva talata tala ou tu vas imma coupe c'est ferme ferme allez vers l'an ferme ferme au cas là ou ronfla n'intéresse ronfla je au simple ça ni le ma coupe ferme dollar au lieu de classé mala ni coton de jibril le bureau ferme de jibril là à cacher parce que ademade ma coupe cacher à cacher ne ronfla et kosan siaman karfala malaka kelena olu bolo o senfe o ka lere fana tla longo no ka da lere tuya fla o ba fodo ko saatu saida o ba fodo ko saatu nahisa o kora me jibru kan ka barake tenelo me fendo be o ye here ima ko bola ibo yina jibru lu fe lere do bo bolo ko ko saatu saida yeni baraka ni lere to lere do be ile ma ko be jibru le ko gbalendo wule ka wika o be jugo do be jibru le ko jugo do ke ola ay fo ko intikamu e kan ko fo jibru na lere mina we saatu nahisa jibru ru ka bi ro be dayel o lo to ka ko jugo ke mo o lere to ka ko jugo ke mo ola lere bere be jibru bo tenelo aka bi ro be dayel ka ko yuma ke o wati o se be ni sala fe aba fo ina ko ni zikrun be ke tenelo mo na tala ta te parce que abi nya sina malaka mo be baraka tenelo le aba fo ina ko ni zikrun abi ke ni lere ni kuruka parce que se saadu saida le saadu na hisal aba ke ka boba o se be sa jibril le jate mi nana o bolo kulare juma le kare jibril le o be kulare ko nana ka be olema abi fo ni be ni zikru ka ye fan kulare ni do ni be ni saraka bo ye kulare ni bo parce que ibe mo ko ibe femi wala kulare ni le kadi oye usulan ko fana nana ka be olema wala ko zaba fina ni be ni zikru ke usulan kere kere ni ke kamasro femi be wole la olo bolo ni usulan so le kadi oye me ni be kala jibril ta kalama o do avo kodi me be ni fe no no la o le ye no no ye e ba lo la ka ko be fe shema le wala mente ala ta le me o be na ta o lo fe jibru ka representant le be ne anyi do ko lo ko ka ya ay fo ma ko al khalid wa sufli o representant ne o le be ne le ka do on be fra nyo ka ka la se jibru ma sa fe we al khalid wal ul al malak al ulwi ni o de la jibru ma jibru be ta ne ala fe ko ala fle wa ma ko la nya we ya so ala ta kalama kile mo go juwe parce a fo la ko ni le ka ala o le dire ala ko ya le o le dire ti la mais nono ko ni ka la wure dirati la ele ka do te je bile be faniya fo faniya fo mande ale ka do be je be chukodi ele be jene ya ka jene ya mande ale ka do be je be chukodi wotu ala te meni sran ve no ka ala tena lo kile lo aba de khadima wadi je roma je lo fa ala ina la ba ma ko ya le ma dilema o da be plan ka la wota ala de mori ya se men le ka na sha ba yara se no ma ko do te bile sha ba na c'est dans l'islam, c'est pour dire que toutes ces choses-là qui font, c'est basé sur le shirk, inshallah. Mais c'est pour appeler les gens, inshallah, c'est pour appeler les gens. Quand ils demandent des couleurs, parce qu'ils pensent qu'il y a certains âges qui aiment une couleur précise, quand ils demandent de faire cette sacrifice-là, un jour précis, parce qu'ils pensent que ce jour précis-là, c'est cet ange-là, parce qu'ils disent qu'il y a sept anges, c'est 7 jours de la semaine, chaque jour il y a un ange qui s'écoule des problèmes de ce jour-là. Donc, si tu veux ce problème-là, c'est cet âge-là qui veut régler, donc il faut lui appeler ce jour-là. Donc il faut mettre ces gens-là ensemble parce qu'il aime ces odeurs-là. Il faut mettre ces gens d'habit parce qu'il aime ces couleurs-là. Et comme ça, il va faire des îles comme ça. Il va avoir son serviteur, il va venir te prendre le problème, il va amener chez Allah. Mais si toi-même tu vas appeler Allah directement, toi tu mens, tu fais l'adultère, Allah va jamais te répondre. Mais si tu fais des routes comme ça, inshallah, donc Allah ne saura pas que c'est toi. Donc automatiquement, il va donner 10 000 et c'est tout, ton problème sera réglé. Ça c'est pas une association, donc si c'est une association qui existe. Non. Asin doimi, anatomase doimi, wole moro, saraka be di moro na. Na fala ni saraka ba di nyakelin lema. Ni saraka ba di sele wole la lema. Ni saraka ba di lema mo lema. Ni saraka ba di muso lema. Ni saraka destination,
ni o kɛla ka bɛn adamaden yɛrɛ dancogo ma a bɔla ala taya la n'o tɛ ala ko innama sadaqatu lilfuqara ala ka saraka bɛ di dɛsɛbagatɔ la fanta a kɛla faragwɛ ye o a kɛla farafin ye o a kɛla cɛ ye a kɛla muso ye o a dafalen la a ma dafa ni dɛsɛbagatɔ bɔra n bɛ saraka d'a ma mɛ n'a fɔra a ye kɛ nin cogo ye seli wele o kosɔn an ka misiri dɔw la i bɛ taa dɔ sɔrɔ ni limamu nana i bɛ sarakatigiw lɔnni ye da la kabako limamu nana a bɛ seli kan ka wele sarakatigiw lɔnni bɛ da la ni seli wele la bana ka seli wele la sarakatigiw ka saraka d'a ma ka bɔ sɔrɔ moriw de ko a ma k'a fɔ ko ni seli wele bana k'i y'a di ɔhɔn e le limamu ɲambe o la o ni ne ma o lɔntɔ kutuba kɛ o kan o a fɔ e le ka limamuya faamuya e le ka limamuya ka sirikuya le kɛlɛ e le yɛrɛ bɛ minibaru kan i ma kutuba daminɛ fɔlɔ mɔgɔw bɛ na ni sirikuya fɛnw ye e le ma kutuba yɛlɛma k'a kɛ o kan o ye n'a sɔrɔ limamu yɛrɛ de ye sirikuya gɛlɛ kɛ o de la kuma laɲini ye min ye k'a lɔn k'a fɔ nin saraka ni seyidina kolo saraka diyɔrɔ tuma dɔw la u b'a fɔ ko saraka nin bɛ bila sununko na ɲamafili yɔrɔ kɔsɛbɛ i bɛ taa dɔw bɛ taa saraka bila ɲamafili yɔrɔ la dɔw ka saraka bɛ taa bila kariforo la kariforo naani nin sara naani bɛ taa ɲɔgɔn bɛn yɔrɔ min na dɔw ka saraka bɛ taa bila yen saraka destination saraka kan ka bila yɔrɔ min na n'o désigné la k'a kɛrɛkɛrɛ ko nin don ka fantanya ko nin fantanya tɛ fo nin y'a dɔn k'a fɔ ko jinɛw ka saraka don. deuxième manière de connaître que c'est sacrifice là que c'est pas à cause de Dieu c'est quand on te précise la personne adorée il faut donner ça au voisin. Il faut donner ça à l'imam, il faut donner ça, il faut aller mettre ça dans le rond-point, là où il y a 4 semaines, il faut aller mettre ça dans les poubelles. Il dit, mais si c'est un sacrifice, on donne au pauvre, c'est tout. Mais quand on précise, il faut donner à tel, 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 tel. Et toi-même, l'imam, tu es à la mosquée, et les gens mettent des sacrifices dans les sachets, ils disent que ça c'est pour l'imam seulement, et toi-même tu prends ça. Et ces jours-là, des valeries, tu ne changes pas de route pour parler déjà des chiffres, pour dire que ça c'est interdit. Tu es complice. Ou bien toi-même tu fais partie de ça, Inch'Allah, tu fais partie de ça, c'est pour ça que tu acceptes ça, c'est pour ça que tu laisses faire ça. Donc il ne faut jamais laisser les gens comme ça pour donner des explications, et il ne faut jamais encourager les gens comme ça, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc un sacrifice, c'est un sacrifice, mais quand on précise la personne à donner, ou bien les moments qu'il faut donner, donc vous savez que c'est fait pour les génies, c'est fait pour les djinns, c'est pas fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne faut jamais accepter. a tɔgɔmasere dɔ fana ye min ye bɛɛ an bɛna da o ma ka bɛn waati ma a saraka tɔgɔmasere dɔ ye min ye jinɛ saraka ninnu o ye saraka mun bɛ déplacer ka taa dugu dɔ la dugu kama i n'a fɔ mun bɛ aventure la tuma dɔ la o bɛ bɛn k'a fɔ bon an kan ka saraka dɔ bɔ village la bɛɛ ye na ni 200 bɛɛ ye na ni 1000 an bɛ taa saraka bɔ village la o saraka nin jinɛ saraka don dɛ a bɛ se ka kaburu kɔrɔ dɔ bɛ village la a bɛ kila ka bɛn o le ma. walima yiri kɔrɔ dɔ bɛ yen saraka bɛ di dɛsɛbagatɔ n'a sɔrɔ village la fantanw bɛ yen dɛsɛbagatɔw bɛ yen a fɔ mɔgɔw ɲɛna a ye hinɛ village la a ye saraka bɔ k'a dɔn baasi t'o la mɛ k'a kɛ fɛn fɔ n ta nin saraka bɔ village de la fo tuma dɔw la mɔgɔw yɛrɛ bɛ déplacer ka bɛn a waati ma dɔw b'o ta kɛ ka bɛn mawulidu ma dɔw b'o ta kɛ ka bɛn waati wɛrɛ ma k'an ta bɛ taa saraka bɔ village la o déplacement bɛ kɛra n'o saraka suguya o fana ye tɔgɔmasere k'a fɔ ko ala ko saraka tɛ nin ye o de kosɔn n'i le ko ma ko ɔ ko ne tɛna participer ne bɛna fanta dɔ filɛ ka n ta don mɛ i le tɛ diya o ye o b'i le ye k'i ka kojugu kɛ o ye dalu ye k'a fɔ k'olu yɛrɛ ɲinɛ k'a fɔ nin saraka nin kan ka bɔ nin yɔrɔ nin de la o ye dalu ye k'a fɔ ko saraka nin a tɛ bɔra ala kosɔn jiyɛn na saraka lo. troisième signe qui montre que le sacrifice par cause d'Allah c'est quand on te précise de Dieu ce sacrifice là nous sommes des mêmes villages alors chaque année nous devons chacun donne 2000 ou 1000 francs. Et nous vont pour aller donner ce sacrifice là au village. Inch'Allah. Si, parce qu'au village, il y a des pauvres là-bas, ils ont besoin de ça. On va égorger une vache, on va les donner. Dites aux gens de faire un sacrifice au village là-bas. Pas de problème, mais précisez que les sacrifices là, forcément, on doit les donner au village. Soi-même, on précise que le cadre de l'outil qu'on doit préparer pour sacrifier. Inch'Allah, il a dit ça, c'est un sacrifice qu'on fait pour les génies. Mais peut-être sans que vous connaissez, Inch'Allah, souvent, il y a un arbre là-bas, ou bien il y a un tombeau là-bas, qui, les génies sont là-bas, pendant que vous adorez, donc okay, ils adorent. Donc cet sacrifice-là sera fait là-bas. Donc ce n'est pas à cause d'Allah, ça aussi c'est interdit et nous devons le connaître, Inch'Allah. Mais il y a un tawhidou bonda, il y a un hakila qui est là, il y a un tawhidou qui est là. ala n'a sɔrɔ e kalo ye hakili bɛ lajigin a la waati bɛɛ kama sɔrɔ filankafoya cɛ ka jugu fo ka tɛmɛ ibrahima aleyhi salatu wa salam a n'a ka ibrahimiya a n'a ka place ale yɛrɛ bɛ dugawu kɛ wa junubu ni wa baniya na abudulayi sinam a bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye k'a fɔ ala y'a kisi ka bɔ filankafoya ma an mako bɛ k'a darasu lamɛn waati bɛɛ ka ban fana k'a lawo taala dali ala y'an kisi a ma walahu taala alam salamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatu. Donc on vous dit, Inch'Allah, pour aujourd'hui c'est fini, Inch'Allah, mes chers, demain,
à partir des prières des As, mosquée Nour, ligne 3. Inch'Allah, demain il y aura la prêche là-bas, mosquée ligne 3, mosquée Nour, et mosquée notre imam Yaham Sawana. Inch'Allah, demain là-bas, après la prière de 7h directement, Inch'Allah, nous allons continuer avec d'autres thèmes qui sont très